Love Océan. Pour le peuple de la solution finale, je dis gloire à Dieu. Moi, je crois que cette retraite. Allez-y, non. Que cette retraite réglera tout problème de ma vie. Tous les problèmes de ma vie seront résolus. Voici la solution de la retraite de la solution finale. Et tout ce que vous allez écouter du temps de la prière jusqu'au temps de la chanson de la choriste, au temps de la chanson de la congrégation et l'administration des choristes, les messages que nous avons écoutés, partout où vous êtes, la solution va entrer dans ta vie. Alors, então, voici, ce n'est pas une retraite, não é retiro para escolher. On va chanter, ah, porque estão a cantar, não vão aparecer. Estão a fazer anúncios, não vão aparecer. Os anúncios serão como proclamações. Grandes coisas vão acontecer na tua vida. Coisas grandes, grandíssimas vão acontecer na tua vida. E isto vai começar a partir desta noite. É de quem que estou a falar? Pai, em nome de Jesus. Obrigado por nos trazer aqui. Obrigado pela fidelidade do teu povo. Obrigado por tudo que foi preparado para esta solução final neste retiro. Senhor, pedimos, abençoa o teu povo. Todos, sem exceção, os nossos líderes, os ministros, cantores, protocolos, seguranças, todos os nossos povos que estão a receber mensagem em todos os lugares, tradutores também, bênçãos a multiplicar sobre todos em nome de Jesus. Todos os nossos membros, participantes deste retiro, os convidados também, milagres sobre todos. Começa conosco esta noite em nome de Jesus. Está feito. As nossas orações estão respondidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Deus te abençoe, pode sentar. Mateus capítulo 1. Matthieu chapitre 1, le verset 21. Versículo 21. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Versículo 21. Elle il dará à luz un filho. Et tu lui donneras. Il chamera le seu nome Jesus. C'est lui porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Il parle de está a falar sobre o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Celui qui est le solutionneur des problèmes, le déplaceur des montagnes, celui qui pardonne les péchés, il nous pardonne nos péchés, il pardonne tout péché, il sauve toute âme qui croit et quiconque invoque son nom, le salut lui parvient, la délivrance lui parvient, la solution lui parvient. Il dit que vous allez l'appeler Jésus, c'est lui qui sauvera. Le mot là, le verbe sauver, ici dans le grec ici originel, c'est une saucée. Et ça veut dire que de guérir, de sauver, de libérer, de délivrer, d'affranchir. Ça veut dire de donner le recouvrement, de donner la cuit ou de bénir. Toute bénédiction dont vous avez besoin est dans ce salut de Christ. Le salut plein, le salut gratuit, le salut final. Il sauvera. Il guérira, il délivrera, il affranchira, il bénira. Vous ne pouvez pas rater les bénédictions. Le verset 22. Tout cela t'arriva, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici. Toute déclaration que nous allons lire dans les prophètes, dans la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, toutes ces choses seront accomplies dans vos vies. À travers Christ, qui nous a donné toutes les promesses et qui a fait que toutes les provisions soient là pour nous, l'accomplissement est arrivé. Verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom, et appelez-moi ce nom à haute voix,
Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Si Dieu est avec nous, Satan ne pourra pas avec nous. Si Dieu est avec nous, le péché ne serait pas là en nous. Si Dieu est avec nous, la maladie ne sera pas restée dans nos corps. Si Dieu est avec nous, les afflictions ne vont pas demeurer. Emmanuel, Dieu est avec nous. Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, Dieu est avec ceux-là. Le Rédempteur avec lui, le Sauveur avec lui. La puissance qui retient l'univers entier demeure avec vous, avec moi, avec quiconque au nom de Jésus. Quand nous commençons la retraite ce soir, la solution finale, la retraite de la solution finale, Jésus. Nous parlons de l'unicité de Jésus. L'unicité de Jésus. Déjà, vous avez vu quelques unicités de Jésus-Christ déjà. Sa conception, ce n'était pas le Saint-Esprit. La naissance, c'était d'une vierge. Et lui venant pour renverser tout ce que la chute d'Adam a amené dans la vie de tout homme. Et de nous donner Dieu avec nous tous les jours de la vie. Et tous les moments, Christ avec nous. Ça veut dire que tout problème qui va se soulever, l'unicité de sa présence avec vous, avec moi, c'est que la solution doit être là. Notre solution doit venir. Votre propre solution doit venir. Donnez-moi un amen de solution finale. Nous considérons trois choses dans l'unicité de Jésus. Nous parlons numéro un de l'unique Christ avec la puissance illimitée. L'unique Christ avec la puissance illimitée. Numéro 2. Le capitaine unique avec les promesses infaillibles. Il est le capitaine infaillible, unique. Il est un capitaine qui vous donne une promesse et que cette promesse ne peut jamais faillir ou tomber. Et numéro 3, c'est le conquérant unique avec des possibilités indéniables. Des possibilités indéniables dans votre vie ce soir. De grandes possibilités. Numéro 1, le Christ unique, l'unique Christ avec la puissance illimitée. Ça veut dire quoi? Christ est unique. Il est unique, sa puissance est unique. Et son œuvre est unique. Ses signes et prodiges sont uniques. Et toute chose que vous désirez de sa part, il le fait comme personne ne peut le faire. Il pardonne comme personne ne peut le faire. Il guérit comme personne ne peut le faire. Il délivre comme personne ne peut le faire. Il est unique. Il est unique, il répond à vos prières. Au cours de cette retraite, ce serait unique. Marc, chapitre 2, le verset 10. Marc 2, le verset 10. Mais, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir sur la terre, n'importe où sur la terre, ici, dans notre état, dans tous les états ici au Nigeria et dans toutes les provinces, dans toutes les localités, dans l'Afrique entière, au-delà de l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, le Canada, les Caraïbes, partout, pour que vous sachiez que Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, a le pouvoir partout sur la terre pour pardonner les péchés. Le Seigneur lui a accordé cette autorité. Le Père lui a donné cette autorité. Que si vous invoquez le nom de Jésus le Seigneur, tout péché que vous avez jamais commis, grand, petit, simple, habituel, commun, le Père lui a donné l'autorité, la puissance de vous donner le pardon. Ce soir, quiconque va venir au Seigneur, se repentant de ses péchés, se détournant de ses péchés et croyant au Seigneur Jésus-Christ,
il y aurait la certitude du pardon et le salut. Je crois que mon peuple allait dire Amen. Il sauve. Et il a dit au paralytique, lequel? Il dit, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit. Et il lui a dit, lui dit quoi? Et à l'instant, il se leva. À qui l'a-t-il parlé? J'ai dit, il lui dit, il dit quoi? Le Seigneur parle à votre maladie ce soir. Il parle à votre infirmité ce soir. Et quel que soit ce que le défi, et qu'on a dit que c'est incurable, on a dit que ceci ne peut pas être soluble. Moi, je dis, je te le dis. Lui dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. Prends ton lit et va dans ta maison. Verset 12, dites-moi ce qui suit là. Et à l'instant, il se leva. Ça, c'est l'unicité de Christ. Et cette unicité, il va démontrer cela dans votre vie ce soir, au nom de Jésus. La maladie interne, les maladies de la peau, les maladies du corps, les maladies de longue date, la malédiction qui a amené la maladie, ça va sortir ce soir. Et à l'instant, il se leva, prit son lit, et rappelez-vous, on l'avait transporté en ce lieu. Et maintenant, la guérison est arrivée. La force est arrivée. La puissance est arrivée. La capacité est arrivée. Et il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Si vous êtes malade, vous allez vous lever dans la santé. Et vous allez donner votre témoignage d'une façon pratique, démonstrative, devant tout le monde, ici au nom de Jésus. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Ça, c'est l'unicité de Christ, ça. Et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Il va toucher votre vie. Il va vous donner la santé. Il va vous libérer. Jusqu'à ce que vous et ceux qui vous verront vont dire, nous n'avions jamais vu quelque chose de pareil. Le salut qui transforme l'âme. Le salut qui transforme la vie. Et la guérison qui vient avec la force et la puissance instantanément et immédiatement. Dieu merci, c'est pour vous. Luc, chapitre 4, le verset 18. Luc, chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Rappelez-vous, s'il vous plaît, l'unicité de cet esprit couvrant Marie, submergeant Marie, l'amenant à concevoir sans avoir jamais connu un homme. Et dans la grossesse était venue, pas de problème. La délivrance de l'enfant, pas de problème. Et on dit maintenant que cet enfant qui est conçu de l'esprit, né de l'esprit, menant la vie de puissance, la vie de la gloire, la vie de toute possibilité, tout cela par la puissance du Saint-Esprit. Il dit maintenant déclarer, comme cela a été écrit en dans la prophétie, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer, proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La guérison interne, la guérison externe, le Seigneur est prêt à vous donner tout cela. Et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui,
aujourd'hui, tous les jours, Christ est tout puissant. À tout moment, Christ est puissant. Et il dit, là où deux ou trois sont en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Christ est ici ce soir. Et il dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il a le pouvoir, il va manifester ce pouvoir dans votre vie ce soir. La puissance pour sauver, la puissance pour guérir, la puissance pour délivrer, la puissance pour fortifier, la puissance pour renverser votre vie complètement et vous transformer, et la puissance pour faire de vous une nouvelle créature en Christ. Vous serez nouveau, tellement que vous allez oublier l'ancien que vous étiez, au nom de Jésus. Luc chapitre 4, le verset 32. Luc 4, le verset 32. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Ici, frappé veut dire qu'ils étaient surpris. Ils n'avaient jamais vu quelque chose de pareil. Unique, l'unicité de Christ sera manifestée dans votre vie. Ceux qui viennent là, vous êtes sur la voie, et ils sont en train de rentrer dans le camp. Ils n'ont pas encore entendu tout le message. Et la parole les atteint sur la voie là où ils sont. Ils vont avoir leur miracle. Nos enfants qui ne comprennent même pas tous les verbes et les paroles que nous utilisons, la puissance va couler dans la vie de nos enfants. Et tout le peuple invité étant là pour la première fois et qui n'ont jamais lu ces versets auparavant, n'avait jamais eu ces commentaires que nous avons fait de ces versets, le miracle va descendre sur eux. La manifestation de la puissance sur tout le monde au nom de Jésus. Regardez le verset 36. Tous furent saisis de stupeur. Ça veut dire encore qu'ils étaient surpris, ils étaient abasourdis parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Ce que vous allez voir, vous avez jamais vu ça. Ils étaient tous saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Quelle est cette parole? La parole de puissance que vous entendez, même avant que nous prions, vous allez voir l'Esprit de Dieu bougeant dans vos vies. Bougeant dans vos vies, bougeant dans vos corps. Et quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Ils doivent sortir. Quelque mauvais esprit qui vous a suivi jusqu'ici, tout est neutralisé actuellement. Regardez le commentaire de l'esprit à propos de tout ce que Christ a fait dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Le verset 38, comment Dieu a oint, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Du Saint-Esprit de force et de force, puissance, pouvoir, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Et il est venu ici, vous êtes venu avec espérance, vous allez retourner avec la réjouissance. Vous êtes venu parce que vous avez entendu que Jésus est la solution finale, qu'il est ici, qu'il serait là, et il est là. Et n'importe où vous êtes, ne vous en faites pas là, vous êtes assis, il va arriver vers vous là. Il va partout, faisant du bien et guérissant combien de personnes. Je demande combien de personnes étaient guéries. Vous savez, si nos prédicateurs ont de défis, quelques défis, que peut-être que c'est interne et caché. Tout chacun de nous, à partir de moi, de tous nos prédicateurs et de tous les chantres et les ouvriers à la cuisine, la sécurité partout, la guérison pour tout le monde, guérissant tous, gloire à Dieu pour ce moment. Je dis gloire au Seigneur pour ce moment. Et vous là-bas,
que vous soyez en train de travailler ou non, et que vous écoutez seulement, miracle pour vous au nom de Jésus. La guérison est pour tout le monde. Et il dit, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Regardez à Hébreux, chapitre 13, le verset 8. Hébreux 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pouvez-vous lire cela avec moi ensemble? 1, 2, 3, partez. Lisez comme je l'ai lu moi-même. Allez-y, 1, 2, 3, partez. Jésus-Christ est le même. Sa puissance n'a pas décru. Son amour n'a pas décru. Et notre foi en lui, nous aurons le même résultat que les autres dans la Bible ont eu. Je me réjouis avec vous. Sa puissance va être manifestée dans votre vie. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. La conséquence de cela, le résultat de cela, dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens chapitre 3 et le verset 20. Donnez-moi le premier mot qui est là. Vous n'avez pas encore ouvert la Bible, dites-moi qu'est-ce qui est là, le premier mot là. Or, la puissance, la manifestation c'est maintenant, or. Il dit, or, vous allez voir, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, ce que les gens, les aides de ce monde n'ont pas pu faire aujourd'hui, au cours de cette retraite, Christ le fera dans votre vie. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, dit-il. Où est-ce que la puissance travaille? Selon la puissance qui agit où en nous? Je dis où est-ce que la puissance va-t-elle travailler? À l'intérieur de vous, cette puissance va œuvrer. Oh, il a dit à lui, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Et ceux qui veulent recevoir ce soir n'ont qu'à crier. Point numéro 2. Le capitaine unique avec des promesses infaillibles. Comme nous considérons à Christ, la parole de Dieu a aussi démontré Christ comme notre capitaine. Il est le capitaine de notre salut. Il est le capitaine, le consommateur, le capitaine de notre vie. Et tout ce que nous devons faire, nous le recevons de ce capitaine. Il est là courageusement et il affirme qu'il est le capitaine de votre vie, de votre âme. Et il est là, debout, comme quelqu'un qui n'a jamais perdu une bataille. Et dans votre vie, il ne perdra aucune bataille. Regardez Hébreux chapitre 2, le verset 9. Hébreux chapitre 2, le verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, cela parle de ce que il a mis à part sa gloire éternelle, sa puissance éternelle, et il est venu dans ce monde, et il est venu pour souffrir, pour prendre nos souffrances sur lui-même. Et c'est en ce moment que le coup de l'incarnation, il s'est abaissé, plus abaissé que les anges, pour mourir, et mourir la mort, il dit, pour souffrir la mort, et couronné de gloire et d'honneur,
à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Tous qui avaient la pénalité de mort, quiconque l'a, Jésus l'a enlevé. Si c'est sur vous, il a enlevé cela. Vous n'allez pas mourir la seconde mort. Vous n'allez pas mourir la mort spirituelle. Vous n'allez pas mourir cette mort satanique. Vous n'allez pas mourir de cette mort prématurée. Il a pris toute forme de mort sur lui. Et de quiconque a cru en lui, vous pouvez être rassuré. La vie éternelle est disponible pour vous. Le verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, il vous amènera à la gloire. Il ne vous mènera pas à la honte, hein? Il ne vous mènera pas à la disgrâce, hein? Tout ce que vous aviez fait de par le passé, qui vous aurait amené dans la honte, Christ est arrivé pour tout enlever. Et après que vous avez reçu le pardon et le lavage, le Père ne verra plus rien de ces péchés-là. Et si Satan mentionnait ces choses encore, le Père va lui dire, « Mais je ne vois rien, tu es un menteur. » Satan est un menteur. Les mauvais esprits sont des menteurs. Vos accusateurs sont des menteurs au nom de Jésus. Il va vous amener à la gloire. Et c'est maintenant, ceux qui suivent maintenant sont pour vous mener à la gloire. Et vous lui conduire à la gloire, beaucoup de fils de éleva à la perfection par la souffrance, le prince de leur salut. Le prince de leur salut. Et c'est cela que l'anglais traduit par le capitaine de leur salut. Alors, le moment où vous croyez en lui, vous avez le salut. Maintenant, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il n'a pas honte d'appeler les croyants frères. Et maintenant, il nous a donné des promesses comme notre capitaine, notre prince. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, le verset 1. Vous, tous qui avez soif, vous qui désirez, vous qui avez la passion, vous qui dites, je suis venu ici, je désire, je veux, j'ai la soif, j'ai la faim, il va satisfaire votre soif. Venez au seau, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter. Il n'y a pas quelque chose que vous ne pouvez pas avoir parce que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la foi. Et il dit que si vous venez par la foi, vous allez venir avec comme vous êtes. Il dit, venez acheter, manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Voyez le verset 4. Maintenant, voici, je l'ai établi. Ça, c'est Christ, hein? Je l'ai établi. Ça, c'est Jésus qui nous a donné la dernière et la solution finale. Quand je l'ai donné, je l'ai rétabli comme témoin auprès des peuples. Ça, c'est comme chef, un autre nom de capitaine, et dominateur, un autre nom de capitaine des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Vous n'avez pas dit amen, là. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Ça veut dire quoi? Vous savez, des fois, vous voulez quelque chose, une solution, ou vous voulez une bénédiction. Et cette bénédiction n'est pas autour de vous, là où vous êtes dans le physique. N'importe où, n'importe quelle nation où se trouve cette bénédiction, vous allez invoquer cette nation et le Seigneur fera cette bénédiction vous arriver.
J'aimerais vous rappeler de la situation de Élie. Il était au torrent et il y avait de l'eau à boire, mais il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas de la viande. Et le Seigneur lui envoya un corbeau qui lui envoyait de la nourriture. Mais la nourriture venait toujours. On ne savait d'où ça venait, mais ça venait. Mais vous pouvez ne pas voir d'où ça va venir, mais ça va venir. Bénédiction là, ça va venir. La nourriture va venir. Les miracles vont venir. Je vais retourner encore à Élie. Les corbeaux qui lui amenaient le pain là, les corbeaux aussi étaient des ravisseurs aussi là. Et c'est lorsque vous voyez un corbeau voir de la nourriture, il doit manger ça. Mais Dieu leur a donné le droit ou ordonné d'aller à la source de la nourriture pour amener cette nourriture à Dieu, à Élie. Alors, leur nature de dévorateur n'était pas là pour les amener à toucher la nourriture de Élie. Alors, c'était une nourriture parfaite, une nourriture qui n'avait rien de clochard sur ça. Le Seigneur vous amènera la bénédiction qu'aucun démon ne vous atteindra au nom de Jésus. Maintenant, Élie, lorsque l'eau est finie dans le torrent, Dieu a dit, Élie, lève-toi d'ici. Les corbeaux ont fait la partie numéro 1 de ta bénédiction de pourvoyance. Maintenant, je parle à une autre personne plus grande que les corbeaux de te nourrir, une femme. Élie se leva, alla là-bas. Vous connaissez l'histoire. Et le premier jour, fais pour moi et après ça pour toi et pour ton fils. Et ils ont mangé. Le jour suivant, il a mangé. Et plus de 200 dans cette maison, il a continué de manger. Ça, c'est numéro 1. Numéro 1, c'était les corbeaux qui amenaient le pain et la nourriture. Alors, numéro 2, le niveau 2, c'est un homme, une femme plus grande que les corbeaux. Maintenant, niveau 3. Maintenant, Élie avait peur et il courait pour fuir Jézabel. Il est maintenant fatigué, il a dormi. Maintenant, le corbeau avait fait son travail, la femme a fait son travail. Maintenant, le second niveau, le troisième niveau, c'est un ange, le troisième niveau. Votre bénédiction va aller de haut, plus haut, plus haut au nom de Jésus. L'ange le frappa pas de côté, le réveilla et lui demanda, lève-toi et mange, car le voyage devant toi est trop long. Et il se leva, parce que maintenant, il a gradué de corbeau amenant la nourriture. Il a quitté le niveau de femme donnant la nourriture, qui est plus élevé que les corbeaux. Et maintenant, ce qui a suivi, ça c'est les serviteurs. Le serviteur suivant, ce sont des anges. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, hein? Alors, il a mangé et il s'est endormi encore. Il n'a même pas dit merci à l'ange, hein? Il n'a pas dit quel est ton nom, hein? Il n'a pas dit si je veux te revoir là, comment est-ce que je vais te revoir? Il savait que cela venait du capitaine de son salut. Alléluia. Et tout ce qui est merci, appréciation, doit aller à notre capitaine, à notre Jésus. Et l'ange est revenu encore et il lui a donné à manger. Il a mangé. Maintenant, la différence est ceci. Dans le cas des corbeaux, il a mangé le matin et le soir et il va avoir faim encore. Le cas de la femme, il a continué de manger le matin, le soir, il va avoir faim encore. Dans le cas de cet ange, il a mangé et il a couru, il a marché avec la puissance que cela lui a donnée pour 40 jours. Vous allez recevoir quelque chose ici. Je dis, vous allez recevoir quelque chose ici. Et vous êtes actif, vous êtes habitué à se lever, à tomber, se lever, tomber. Maintenant là, vous allez recevoir. Et plusieurs jours, ça va continuer de vous soutenir.
Regardez Ésaïe 55. Le verset 5 que je vais lire. Il dit, voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Qui te glorifie. Comment cela va arriver? À vous, à moi, à tout le monde. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. La miséricorde parvient vers vous, hein? La miséricorde vous arrive dans votre vie. Et il dit à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il va pardonner abondamment. Il ne se lasse pas. La promesse du capitaine de notre salut va vous arriver. Actes, chapitre 2. Actes des apôtres, chapitre 2. Le verset 39. Car la promesse est pour vous. L'apôtre Pierre parlait à propos d'une une promesse particulière, parlant de Saint-Esprit. Mais comprenez-moi, ce verset est applicable à toute promesse dans nos vies. La promesse du pardon, c'est pour vous. La promesse du salut, c'est pour vous. La promesse de ce qu'il va écrire votre nom dans le livre de vie, la promesse est pour vous. Lorsqu'une lettre a été écrite et qu'on a écrit votre nom sur cette lettre, personne ne peut réclamer cette lettre à votre absence. Cela doit vous arriver, doit parvenir vers vous. Lorsqu'une promesse vient du ciel et c'est en votre nom, la promesse, c'est à vous, c'est pour vous. Personne ne peut la prendre loin de vous. La promesse du salut, c'est pour vous. La promesse de la sainteté, c'est pour vous. Ça là, ce n'est pas la sainteté dont on parle. On a dit, on est en train d'essayer, on est en train de courir, de sauter, de coucher par terre, de se punir. Et on va dire, c'est toi qui as fait ceci, et Dieu, toi qui as fait cela là, oh, Dieu va te maudire. Et toi, souris qui as fait ça, Dieu va te maudire. Ça là, ça c'est humain ça. Nous parlons maintenant de la sainteté du ciel. Vous n'avez pas entendu cela? Je dis la sainteté du ciel. La promesse est pour vous. La promesse de la guérison, la promesse est pour vous. La promesse de la puissance sur toutes les mauvaises choses. La puissance est pour vous, la promesse est pour vous. Toutes les promesses de Dieu qu'il a faites au travers de Christ va vous arriver. La promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux, n'importe où, dans tous les camps, les adultes, les enfants, les étudiants, partout. De grandes, puissantes promesses. Et à tous ceux qui, aussi loin, ceux qui ne sont pas ici, au siège, n'importe où nous partageons la retraite ensemble, vous êtes connectés par satellite, miracle pour tout le monde. Et en aussi grand nombre que notre Dieu, notre Seigneur les appellera. Il m'a appelé. Il vous a appelé. Nous allons tous recevoir la promesse ensemble au nom de Jésus. Deuxième Corinthiens, chapitre 1, le verset 20. Deuxième Corinthiens 1, verset 20. Il dit, car toutes les promesses de Dieu, combien de promesses de Dieu sont pour vous?
car toutes les promesses de Dieu, combien de promesses de Dieu seront accomplies dans cette promesse, dans cette retraite dans votre vie? Car toutes les promesses de Dieu sont ce qui est dit en lui, le oui et amen. Ce qui, pour la, mais pas la gloire du Seigneur pour nous. Dieu ne dira pas non à vous, hein? Dieu ne vous dira pas non. À moi, Dieu ne dira pas non. Est-ce que vous êtes sûr? Alors, dis-le pour vous-même, là. Il dit pour vous, Dieu ne dira pas non pour moi. Il va exaucer vos prières. Cette retraite sera votre propre retraite de la solution finale. Point numéro 3 présent. L'unicité, le conquérant unique avec des possibilités indéniables. Le conquérant unique avec des possibilités indéniables. Regardons à Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Jésus a déjà conclu toutes choses concernant vos bénédictions. Concernant votre salut, c'est fait. La sanctification, c'est fait. La guérison, c'est fait. La délivrance, c'est fait. La conviction interne, c'est fait. La puissance, c'est fait. Tout est accompli. Il a tout fait. Et à cause de cela, il a détruit la puissance de la personnalité qui pourrait empêcher vos miracles. Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2. Le verset 14. Hébreux, chapitre 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, c'est lorsqu'il a dit c'est tout accompli, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a anéanti toute la puissance du diable pour vous. Et qu'il les délivre à tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Plus de servitude dans votre vie. Plus de servitude dans ma vie. Plus de servitude sur mon mari. Beaucoup de personnes n'ont pas de mari là-bas, c'est pourquoi ils ne parlent pas. Plus de servitude sur mon mari. Plus de servitude sur ma femme. Plus de servitude sur mes enfants. Plus de servitude dans n'importe quelle partie de nos camps. Amen. Colossiens 2. Lisons là le verset 14. Colossiens 2, 14. Effaçant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. N'importe quelle ordonnance, n'importe quel écrit est dit, que cela soit dit ici sur la terre, écrit ici, là-bas, dans le ciel, au-delà du ciel même. Il a déjà tout enlevé. Il a annulé ses écrits. Quel que soit l'écrit qui a écrit et envoyé vers vous, et ça a été écrit, et lorsque vous avez lu, c'est pour vous détruire, pour vous déstabiliser. Tous ces écrits, ces lettres, ces mots, tout a été annulé. Y a-t-il un écrit de déchec
un écrit de défaite, un écrit de la vie de péché, un écrit de la rétrogradation, un écrit de ne pas aller au ciel. Tous ces écrits ingéniosés par le diable contre votre vie, tout est déjà annulé, effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, tout ce qui est contraire à notre progrès. Et il dit, et il a détruit en la clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Maintenant, dans votre vie, Dieu fera toutes choses possibles. Luc chapitre 1. En Luc chapitre 1, le verset 37. Luc 1, 37. Luc chapitre 1, le verset 37. Car avec Dieu, rien n'est impossible. Au cours de cette retraite, car rien n'est impossible à Dieu. Vos prières sont exaucées. Matthieu, chapitre 19. Lisons là le verset 25. Matthieu 19, le verset 25. Les disciples ayant entendu cela, Matthieu, je voulais lire. Il dit, les disciples ayant entendu cela, furent étonnés et dit, qui peut donc être sauvé? Cela était impossible devant eux. Alors, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Cela, dans votre vie, dans ma vie, ça peut être impossible aux hommes, mais avec Dieu, tout est possible. Marc, chapitre 9, Marc, chapitre 9, le verset 23. Marc 9, le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux croire, faut ajouter ça, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Pourquoi? Parce que notre capitaine, notre conquérant, notre rédempteur a déclaré que tout est accompli. L'affaire de péché est finie dans votre vie. La punition à cause du péché s'est terminée dans votre vie. La pollution du péché, c'est fini dans votre vie. Et la conséquence du péché, toutes les maladies, les mauvais esprits, les mauvaises puissances, tout est terminé dans votre vie. La manifestation de la puissance démoniaque dans votre vie est terminée. Maintenant, c'est aujourd'hui, c'est ce soir. Maintenant, c'est ceci, dans cette retraite de la solution finale, c'est fini vraiment. Où êtes-vous là? Je dis c'est fini. Où êtes-vous là? Je dis c'est fini. Au calvaire, c'est terminé. Par Christ, c'est terminé. Par notre capitaine, c'est terminé. Par le conquérant, le puissant conquérant, c'est terminé. Et maintenant, tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est d'étendre vos mains de la foi et de recevoir. Il va pardonner tous les péchés. Il va sauver toutes les âmes. Il va sanctifier tous les peuples, tous les croyants. Et il va guérir les malades. Il va détruire les œuvres du diable. Terminé! Terminé! C'est accompli! Levez-vous! Et parler à Dieu, je sais, car pour moi, tout est accompli.
ouvrez la bouche et parlez à Dieu dans la prière. Parlez à Dieu. Voici votre retraite à vous. Votre solution finale. La retraite de la solution finale pour vous. S'il y a quelque culpabilité, quelque condamnation pour n'importe quel péché que vous aviez déjà commis, parlez juste à Dieu, disant vous excusez, je me détourne, je me repens. Je crois, Christ est mort pour moi sur la croix du calvaire. Le pardon va arriver immédiatement. Et l'Esprit de Dieu va vous donner la paix dans le cœur. Christ a déjà fait ça. Christ a déjà payé tout le prix. Vous n'avez rien à payer pour les péchés que vous avez déjà commis, qui ne sont pas bons. C'était déjà terminé au calvaire. Dis-lui merci. Je suis pardonné. Dis-lui merci. Je suis restauré. Dis-lui merci. Je suis sauvé. Et il n'y aurait plus de punition pour n'importe quelle chose que j'ai fait, parce que Christ m'a pardonné. Et il a effacé le souvenir de ce péché, de ses péchés. Il a amené le lavage, la purification, le salut. Et si vous avez été sauvé, vous devez demander maintenant la sainteté depuis le ciel. La sainteté de Christ, ce n'est pas la sainteté qu'on lutte à avoir, mais la sainteté qui nous donne par la grâce. C'est disponible aussi, hein? La promesse est à vous. Il vous a rendu saint, sanctifié, lavé dans le cœur, dans l'âme, dans votre esprit. Il a aussi le pouvoir pour vous, la puissance du Saint-Esprit, disponible pour vous. Vous êtes un bien-aimé, un fils bien-aimé. S'il pardonne, il n'a pas de souillure, il ne se rappelle plus. Et il n'a pas la malice contre vous. Il ne se souvient même plus de vos péchés. Ce que vous avez fait de par le passé, pardonner, laver, purifier, et il vous rend saint. Il vous donne son pouvoir, le pouvoir, le Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, le consolateur, le fortificateur pour rester avec vous pour toujours. Si vous êtes malade, il a tout fini avec la maladie sur la croix du calvaire. C'est terminé. Il n'y a pas de maladie incurable avec lui. Il n'y a pas « je suis sur le point de mourir ». Tout est accompli. Il n'y a pas quelque chose de montagne qui ne peut être déplacé. C'est terminé. Tout est accompli. Il n'y a rien comme attaque spirituelle que je ne peux pas surmonter, que tu ne peux pas surmonter. Tout est accompli. Il n'y a rien comme conspiration par le diable et les mauvais esprits. Nous allons tout finir. Nous allons finir avec lui. Oh, il n'y a plus ça. Il a détruit ce diable. Celui-là qui a le pouvoir de la mort, terminé.
Maintenant, dans votre vie, toutes choses sont possibles. La souffrance ne continuera plus. Avec la solution finale, cette retraite de la solution finale qui est venue. Maintenant, là, c'est terminé. Le Seigneur a exaucé à vos prières. Le Seigneur a exaucé vos prières. C'est terminé, c'est fait. C'est fait. Vous allez jouir du salut du Seigneur. Vous allez jouir des promesses du Seigneur. Vous allez jouir de votre guérison, de la délivrance. Les choses seront complètement nouvelles dans votre vie. Le goût, l'allégresse, la réjouissance et la jouissance de la solution finale est arrivée vers vous. Moi, j'ai reçu. Je reçois. Je reçois. C'est confirmé au nom de Jésus. Levez les mains, nous allons prier ensemble. Père, nous te bénissons pour ta révélation. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour ta miséricorde. Ce n'est pas par le mérite, c'est à partir de Christ, Jésus, l'unique Christ, l'unique capitaine et le conquérant unique. N'importe qui ici est béni au nom de Jésus. Pour ceux qui ont confessé leurs péchés, qui se sont détournés de leurs péchés, qui se sont excusés auprès de toi et qui ont cru que Christ est maintenant leur sauveur, que là, il y a l'espérance définie du pardon de péché et du salut pour eux au nom de Jésus. Pour ceux qui ont demandé de ta purification, de ta sainteté, la sainteté du ciel, et qu'ils se sont bagarrés, ils ont lutté, ils n'ont pas pu le faire eux-mêmes. Seigneur, je prie, donne-leur ta grâce de la sanctification, de la sainteté. Accorde à tout le monde au nom de Jésus. Pour ceux qui manquent le pouvoir, la force est venue. L'onction est descendue. L'autorité est arrivée. Je prie, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit descende sur tout le monde au nom de Jésus. La guérison pour les malades. Pas de maladie incurable ici ce soir. Seigneur, je prie, quelle que soit la maladie, quel que soit le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms-là. Touche ton peuple, guéris-le au nom de Jésus. N'importe quelle puissance de ténèbres, puissance de Satan, tourmentant qui que ce soit, opprimant qui que ce soit, c'est terminé. Détruis toutes les œuvres du diable. Libère tout ton peuple. Confirme cela dans toutes les vies au nom de Jésus. Toutes les bénédictions, les possibilités que ton peuple a ouvert sa bouche pour demander, confirme-le dans leur vie maintenant. Des témoignages dans toutes les bouches. La joie dans toutes les vies. La solution. La solution. La solution finale au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions.